Merci. Merci de nous soutenir. On en a besoin. On en a marre. Merci pour l'artisanat. Opération tractage, mais surtout opération escargot pour les artisans du bâtiment. 12 cortèges de véhicules partis à 7h ce matin de tout l'Indre-et-Loire se sont rendus à vitesse réduite vers Tours pour bloquer le centre-ville et rencontrer le préfet. Ils protestent contre l'augmentation prévue en 2014 de la TVA sur la rénovation. Aujourd'hui, on nous l'a mis à 7, on va nous la mettre à 10, et puis voilà, on va débaucher, on va débaucher. Trop de charges. On va déposer le bilan, c'est obligé. On est rendu bientôt à l'agonie, donc il est grand temps qu'aujourd'hui, on nous aide, on a besoin, sinon l'artisanat va mourir. Tram bloqué, bus à l'arrêt et des centaines de mètres de bouchons dans la ville. Selon les artisans, ils étaient 300 véhicules, 250 selon la préfecture, à bloquer les axes majeurs de circulation. Certains automobilistes n'hésitent pas à rouler sur les trottoirs, d'autres en revanche sont à l'arrêt, résignés. Je m'en vais dans l'Indre, comment je vais faire pour retrouver la Nationale 10 ? Ça m'embête beaucoup parce que mon fils il est hospitalisé, donc je voudrais le voir. Vers 11h, une délégation d'artisans réussit à rencontrer le préfet. La circulation n'a repris normalement à Tours que vers 13h.